Salut à toutes et à tous, c'est Shadowlord, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur Blaze Brigade. Je vais vous présenter les armes secondaires du médecin. Et après, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai aussi un jeu que je viens de trouver. Bon, il est drôle, quand on s'est joué un peu au jeu dans le genre FPS, il est pas difficile à prendre en main. Bon, on va revenir au sujet, c'est-à-dire les armes secondaires du médecin. Les armes secondaires du médecin, les classiques, c'est fusil à pompe, sauf la dernière. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis un espèce de machin qui balance des boules de feu. Merci. Bon, j'espère qu'ils seront pas trop durs à tuer, parce que en fait je crois que je vais commencer à craindre un peu. Bon, vous voyez, je suis pas fort avec ces armes. Hein. Ce sont des fusils à pompe, donc bon, bah, faut être assez près, quoi. Enfin, ma foi, je suis pas croyant. Ah, voilà, c'est celle-là, l'arme dont je vous parlais, le fusil du dragon, qui est sa dernière arme, complètement incohérente par rapport au précédent. Putain, je suis vraiment nul. Bon, désolé. Bon, bah d'accord. Vous aurez deux fois cette plus. Je vais éviter de. C'est un peu lourd. Ah, désolé, mais on va passer à ça. Vraiment désolé, parce que là, ça va être dur de vous présenter. Bon, on va voir ce que ça lui fait. Hein, comme vous pouvez le voir, ça lui met des dégâts de feu. C'est drôle. Bon, désolé. Je suis obligé de rage quitter un peu de temps en temps. Hein. Stop. That. Just stop. C'est des fusils à pompe, hein, donc vous en verrez des fusils à pompe. Ouais, vous l'avez vu. Désolé, mais là. Allez, on passe à des armes plus puissantes. Non. Pitié. Oh, non. Mais c'est sérieux? Non, mais d'habitude il fait pas ça. Bon, voilà, mon jeu a planté, hein. Enfin a failli planter. Je suis content que ça ne soit pas réellement arrivé. Bon, j'ai réussi à tuer quelqu'un avec une arme secondaire du médecin.
et qui n'est même pas la Shelbourne ou autre. Allez, allez, hop. Désolé, mais il faut vraiment que je passe à autre chose. Surtout que les armes sont dures à manier. Ouah. En tout cas, vous aurez vu à quoi comment marche le fusil de dragon. Putain. Est-ce que je rate? Je mets Ouais. Vous avez vu, c'est des fusils à pompe, hein. Non, putain, j'ai plus de temps. C'est une arme que qui a peu de munitions, mais quand je dis peu, c'est un doux. Il a pu sauter invisible, lui. Attends, j'ai pas rêvé. Il vient de se mettre invisible. T'es qui, sérieux? Oh putain, je rage. Mon dieu, qu'est-ce que c'est pas beau de rager. Qu'est-ce que c'est horrible de rager comme ça. J'ai limite envie de leur refaire le même coup que la dernière fois, c'est-à-dire. Vu, c'est un fusil à pompe avec peu de munitions. Sniper, je peux pas vraiment vous le montrer sur. Bon, ok. Ce serait bien que j'arrive quand même à faire un kill avec cette arme. Qui a pourtant pas une réputation dégueulasse. Puis... Désolé, mais là je rage vraiment. Et quand je dis vraiment, mais c'est vraiment. Alors, ça. Non, putain. Bon, je devrais pas en avoir pour longtemps. Meurs, meurs. Toi, tu vas voir. Vite fait. Il m'a fait crever, non. Putain, il est passé où? Oh, fuck. Non. Mais avec ça, comment voulez-vous? Je peux pas y arriver. Sérieux. Yes. Main de la mort, enfin. J'avais hâte d'arriver à cette arme. Elle fait bien plus mal que toutes les autres. Eh, désolé, mais là, je vais devoir faire la technique du bâtard, c'est-à-dire réapparaître, respawner. Ah, bon. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Désolé si elle a été courte et que j'ai beaucoup ragé. Mais comprenez-moi, je me suis fait spawn kill. Le vainqueur a quand même 21 putain de kills à son actif. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Allez.